another one. Allez, on va se refaire. On va se refaire. Mais Ali, c'est pas grave, on va se refaire. Ouais, normal. Bonjour les médecins. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et vous, ça fait deux fois que vous sortez de l'hôpital en courant. Qu'est-ce qui vous arrive? Là, il s'est passé vraiment une dinguerie, je vous explique. Dites-moi. Il y a le gang des... Comment il s'appelle, merde? Allez-y, oui. J'ai parlé. Ah, allez-y. Le gang des Lost. Le gang des Lost, vous les connaissez, le gang des Lost? Oui. Motard. De nom, ouais. Je jouais à Pékin Express, et pendant que je demandais le chemin, ils m'ont attrapé en plein jeu de Pékin Express, et ils m'ont agressé, ils m'ont jeté d'une falaise. Mais... On vous... Quoi? A pas soigné tout à l'heure? Bah, oui, c'est... mais là, c'est ce qui vient de m'arriver maintenant, là, juste avant. Vous allez bien? Ça va? Je vous vois. J'ai vraiment mal par... J'ai vraiment mal un peu partout, mais non, si vous pouvez. De lui, là. Allez, occupez-vous de lui. Moi, si vous pouvez regarder. Mais j'ai une question, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce que je dois porter plainte à la police ou ils pourront rien faire pour moi, vous pensez? Vous portez plainte. On peut les appeler si vous voulez. Ils viennent directement vous voir à l'hôpital. D'accord, j'aimerais bien qu'ils viennent, s'il vous plaît. Ok, je vais passer un appel. Ok, c'est bizarre. Fais voir un peu ta moto là, elle est pas mal. Non, tu vas partir avec. Non, je regarde vite fait. Ouais, c'est mort. Non, je regarde. Bah, vas-y, descends. On fait un tour, c'est bon. Descends, descends parce que je vais sortir un truc, ça va pas être l'air. Tu vas sortir quoi? Bah, descends. Ok. T'inquiète, on fait un tour et après c'est bon, ok? Une seconde. Vas-y. Un petit tour, hein. Ah bah, t'es descendu là, vas-y, nickel. Vas-y. Oh putain. Allez, let's go. Bon, j'ai une idée, on va aller au magasin. Comment faire quoi? Je vais acheter des vêtements et tu vas me dire si des vêtements stylés, tout le monde me vanne sur mes vêtements. Attends, t'as cru que j'étais Christina Cordula là? Exactement. Et en fait, la vérité, je vais te dire la vérité, j'ai pas trop d'argent. Ah, oh, moi j'ai pas moi. Tu peux pas m'aider à payer des vêtements? J'ai un dollar. Vas-y, montre. Non. Je le savais. Mais t'es trop agile. Mais c'est incroyable. Vas-y, refais-le. Descends. Juste pour voir si t'es agile. Non, mais juste pour voir. Descends. C'est bon. Je reviens à l'hôpital. Attends, c'est bon. T'as vu, je roule bien. Hein. Je roule mieux que toi avec la moto. Ouais, je suis pas sûr. Hein. T'es en plein milieu de la route là. Non, je suis bien là. Regarde. Attends, l'hôpital, c'est par où déjà? À gauche. Ok. Merde. Ok, on y va. Let's go. En vrai, le plus urgent pour moi, ça serait de récupérer un téléphone. Est-ce que je pourrais m'aider à récupérer un téléphone? Ouais, va tout droit. Ok, merci. Je te dis la route. Merci beaucoup. T'es très gentil, pas comme l'autre. Elle arrête pas de me frapper là, j'en ai marre, j'en peux plus. Ah ouais? Mais elle me frappe parce qu'à chaque fois, il y a trois mecs qui la protègent. Elle fait partie d'un gang secret, elle fait attention à elle. Hein. Oui. À gauche? Non, à la droite là. À droite là? Non, à gauche. Qu'est-ce que tu fais? Retourne, là. Demi-tour. Tout droit? Ouais, là tu. Voilà, là tout droit. Ok. Le truc violet, la Digital Den, là t'achètes un téléphone là. Ok. Ok, vas-y, va m'acheter un téléphone. Bah non, vas-y. Non, t'inquiète, vas-y. Non, vas-y. Non, le premier qui va acheter un téléphone, il a gagné. Bah, j'ai pas envie de gagner d'un coup. J'ai pas d'argent. En fait, je te dis la vérité, j'ai pas d'argent, j'en ai dans ma banque, mais j'ai pas d'argent. Bah, écoute, je peux rien faire, vas-y, descends de ma caisse là. Ok, vas-y. Merci. Vas-y, va acheter un. Ah putain, t'es sûr de vouloir faire ça? Allez, je me casse. Sale bâtard, bah, je me... Je l'ai... Elle est trop conne. Regardez comment je vais la brain. Elle est trop conne. C'est un meuf la plus débile de l'histoire. Elle est trop conne, c'est incroyable. Elle est trop nulle. Oh, elle est tombée. Elle est tombée.
putain, m'avait pas relâché. Je l'entends cette gueule. Ah, je suis mort. Eh, j'entends, elle croit, elle va me baiser. Elle va pas me baiser. Attends, mais déjà, on va faire un truc. C'est bon, les refs. Là, mon pote a mis the bio, personne va te fumer maintenant. Oh, il y a un policier. Oh, excusez-moi. Monsieur le policier. Putain. Mais qu'est-ce qu'il fout? C'est elle. Wesh, mais c'est une hagan. C'est en train de fumer un mec là. Je vais appeler la police. Oh lolo. Elle s'est fait niquer? Voilà. Bien vu mon pote. Bien vu. Je voulais bouler aller, mais on peut pas, tu vois. Ah, nique là. Hey, nique là. Wesh, beau gosse, qu'est-ce que t'as dans ton sang? Elle m'a agressé. Aide-moi. Tiens, toi. Mais comment ça? Arrête. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Ça t'apprendra à voler ma moto, toi. T'es un putain. Hey, t'es un mec ou t'es une meuf, toi? Non, mais ils volent ma moto, frérot. Ouais, je suis bon. Bon, excuse-moi, Harper. Attends, ouais, mais lui, c'est un pote. Attends, mais lui, baiser, c'est un grand-père. Allez, police! Cherche la police là. C'est bon, je calcule pas. Je vais piquer sa moto pendant qu'elle discute.
Je vais piquer 5 motos pendant qu'elle discute, j'ai juré, je vais piquer 5 motos pendant qu'elle discute. Mais frère, la vérité que... Franchement, c'est ça. Merci, Chartex. Pourquoi tu cours, monsieur? Laisse-moi, laisse-moi, t'es trop méchante. Mais cours pas! Mais non, mais attends. Attends, j'ai mal. Monsieur, j'ai mal. J'ai mal, oui. Oui, mais... laisse-moi, non, t'es bizarre. Mais je suis pas bizarre, c'est toi. Attends. Mais tu fais quoi? Arrête de me mettre des coups de pression. Mais parce que tu pars. Mais parce que tu veux me faire des trucs bizarres. Mais non! Juste, je peux on peut pas okay. s'expliquer vite fait. Ok, on s'explique. Ok. Toi, tu sais pas parler. Si, je sais parler, regarde. Mmh. Mmh, ouais. Voilà. Du coup, par rapport à hier, oui. je t'ai dit le coup de crosse, c'était pas voulu, je voulais te mettre un coup de poing. Mais j'avais mon taser et j'avais. Ah bah ça va alors si tu voulais me mettre un coup de poing à la place d'un coup de crosse. Bah tu m'as insulté quand même hier, non? Non, je t'ai pas insulté, tu me fais ça totalement gratuitement parce que t'es deux potes. Mais si, non. Si, tu m'as fait ça totalement gratuitement parce que tes deux potes, ils ont voulu me mettre dans un bourbier là, ils ont essayé de me faire la misère. Putain, j'avoue, j'ai oublié l'histoire, mais en général, moi je tape pas quand mes potes ils se tapent, je tape que si on m'agresse moi. Sinon, j'en ai rien à foutre. Ok, sinon, t'as quel âge? J'ai 25 ans et toi? Pareil, oh la dinguerie, mais ça c'est une coïncidence de fou. Attends, mais... tu m'as pissé dessus il y a une heure, monsieur. Comment ça, je t'ai pissé dessus? Bah si, je suis pas. T'as pissé sur Harper ou sur moi? Non, j'ai pissé sur Harper parce qu'il me dégoûtait un peu. Mais t'inquiète, on peut faire grave connaissance. Viens, on va s'acheter des vêtements. Attends, t'as de l'argent sur toi là? Attends, y a un retournement de situation là. Comment ça? Mais ça fait je sais pas combien de temps que tu me dis je te déteste, j'ai envie de te taper. Mais et non, t'as tu dit... vas acheter des vêtements. Non, mais il y a un moment t'as dit j'ai 25 ans, c'est grave gentil ce que t'as dit. Non, attends, juste pour être clair. Ouais. Moi c'est pas possible, moi c'est pas. Non. Pas mais de... Qu'est-ce qu'il y a? Pas de truc bizarre avec moi, ok? Mais y'a aucun truc bizarre là, je te demande. Regarde, là on traîne ensemble, y'a rien, tranquille. Ouais, tranquille frérot, c'est cool. Tranquille, y'a rien, juste. Là t'as vu, on fait connaissance. Juste ta pote, elle est un peu. C'est une sauvage. Je sais pas, elle a grandi où, mais. Oui, c'est une sauvage. Je sais pas, c'est toi le sauvage, j'ai l'impression que tu m'agresses depuis hier. Mais... Tu m'attends, t'as quand même écrit sur Twitter. La fille du gang violet, on verra. Et c'est elle la sauvage. Bah c'est normal que j'ai écrit ça sur Twitter, tu m'as mis un coup de crosse quand même, je te rappelle. Mais je t'ai expliqué quand je t'ai mis le coup de crosse que c'était vraiment pas fait exprès. Mais bien sûr que si, t'as fait exprès, tu peux pas mettre un coup de crosse sans faire exprès, ça n'existe pas. Parce que j'avais oublié pendant que je t'ai mis le coup de poing que j'avais mon taser dans la main, j'avais juste oublié, du coup... Mais pourquoi tu voulais me taper de base? Parce que 100%, faut que je me rappelle, mais tu as dû m'agresser, genre c'est sûr à 1000%. Mais j'étais pas agressé, j'ai juste mal parlé à tes potes qui étaient torse nu, tu traînais avec des mecs torse nu. Mais je pense que tu m'as mal parlé aussi. J'ai dû faire partie. Non, impossible. Mais impossible. En fait, t'as mal pris un truc, c'est que je t'ai regardé et j'ai dit, madame, qui est derrière les deux bonhommes torse nu, vous êtes très jolie. T'as dit quoi? Très jolie? Tiens ta mère. Non. Si. T'as dit quoi? Très jolie? Tiens ta mère. Tiens. Gros. Non, impossible. Sinon, je taperais tous les gens de la ville. Parce qu'il n'y a que des BDG. Non, mais t'as l'air agressif, je t'ai vu à l'hôpital avec un cocard, t'es pas une meuf normale. Hein. Non, mais ça c'est parce que je suis tombée pendant le Los Santos Express. Oui, bien sûr. Si, c'est vraiment. J'ai fini première même. Ah, mais attends, mais. Attends. T'étais pas en duo avec Billy, toi? Si, tu nous as piqué notre place. Bah non, mais je suis avec Billy maintenant. Mais comment ça? Bah, vu que Harper demain peut pas le faire, je fais un duo avec Billy. En duo avec Billy de quoi? Bah, pour la deuxième. Pour demain, quoi. Demain, il y a un autre PK Express? Enfin, c'est la suite, mais vu que t'es éliminé, tu peux pas le faire. Mais moi, j'ai pris Billy vu qu'il était sur place et que j'étais mais sur Billy place. Mais Billy aussi, il est éliminé? Non, du coup, non. En fait, j'explique, t'étais pas sur place. Et après, Harper, elle me fait, je peux pas jouer demain. Enfin, participer demain au jeu. Du coup, j'ai dit, je suis seul. Billy était seul, on a fait, on est à deux. Et Harper, pourquoi il peut pas?
Je sais pas, elle dort demain et elle est malade ce soir, du coup elle va se coucher là et demain elle pense pas être en forme, tu vois. Ok, donc moi je pense que là il va falloir que vous fassiez pardonner parce que là tu m'as fait un double traquenard là. Comment ça? Déjà d'un côté tu m'as mis une grosse golden dans ma tête. Oui, ça my bad. Et de deux, tu m'as volé Mojo. Ah bah non, mais ça c'est parce que vraiment t'as mis 20 minutes à le rejoindre, c'est un peu chaud ça. Et je me suis fait kidnapper par les Lost Riders. C'est quoi ça? C'est les mecs avec des cuirs, c'est un gang, ils m'ont pris. Ah, les Riders, voilà, ok. Ils m'ont goûté, donc maintenant, faut se faire pardonner. Donc, viens, accompagne-moi juste, j'ai des choses à faire. Viens, j'ai pas entendu, viens quoi? Accompagne-moi là, j'ai des choses à faire vite fait. T'as quoi à faire? Je dois prendre un téléphone. Mais attends, mais tu m'as pris pour ton toutou là, je vais devoir te suivre de partout. Oui. Ah bah non, en fait, non. Non, 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 je rigole, j'ai dit ça, c'est une blague, mais t'as pas de second degré ou quoi? Putain, t'as l'air super intelligent. Mais attends. T'as une voix. Attends, mais t'as pas de second degré. Mais t'as l'air super intelligente, pourquoi tu prends ça au premier degré? Ta voix en fait, j'arrive. Je sens pas quand tu rigoles. On dirait un peu un robot, tu vois. Je rigole pas, je suis super sérieux, je suis archi sérieux. Ouais, justement, c'est ça. Mais je te dis, on dirait pas que tu rigoles. C'est non, regarde, je suis sincère. Est-ce que tu veux m'aider ou pas? Est-ce que t'as de la bonté féminine? Tu connais ouais, ça, vas-y. La bonté féminine? Ok, vas-y, aide-moi. On va aller prendre un téléphone. Bah, avance. Bah avance. Mets de l'intonation dans tes paroles. Avance. T'as une voiture ou pas? Ouais, mais là elle est pas dans cette ville, le gang me l'a pris. T'inquiète, on va en moto. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu fais, je me suis trompé sur ton compte, t'es vraiment gentil. Je vais te niquer ta mère. C'est vrai que tu m'insultais toi, hein. C'est pas le temps de m'expliquer. Vas-y, prends ton téléphone. Okay. T'as vraiment pas de téléphone? En fait, là, le gang des Lost Musticos, ils m'ont pris Vas-y, on t'en a racheté un, là. Attends, est-ce que ils te l'ont vraiment pris ou pas? Non, ils me l'ont vraiment pris, j'ai vraiment plus de téléphone, ils me l'ont pris. Bah vas-y, faut que tu en achètes un, là. Ok, je sais pas combien ça coûte, par contre. Ok, dis-moi, en fait, ils m'ont pris mon argent, et les frais d'hôpitaux, j'y suis allé 3 fois, j'ai payé 7500 balles. Oh, ça, c'est impossible, ça. Non, parce que j'y suis allé 3 fois, et c'est 2500 à chaque fois. Ah ouais, c'est qui t'a fait ça? La première fois, je suis mort dans l'hélico avec Billy. Enfin, je suis pas mort, j'étais au bord de la mort surtout. J'étais au bord de la mort et du coup, ils ont réussi à me réanimer, 2500. Bon, j'ai l'impression, je te dis la vérité, que les médecins m'ont un peu racketté. Mm-hmm. Et Bah viens, on va aller voir. Ok, mais viens, je prends un téléphone déjà avant. Vas-y, si tu peux m'aider. T'as pas 150$? Si. Oh, t'es vraiment la boss, t'es vraiment la... En fait, ça y est, je pense que t'es la meilleure de la ville. T'es la meilleure de la ville, vraiment, je me suis trompé sur ton compte. Allez, vas-y, viens. Allez, attends, je prends le téléphone, clac. Juste, je me sers d'elle. Elle va voir une vengeance, elle est salée. I'm in the, bio. Ok, maintenant, on va où? On va régler tes comptes à l'hôpital. En fait, ils m'ont pris 2500$, tu trouves que c'est normal? Non. Moi, ils mettent 100. 100$ tout le temps. Ok, bah du coup... Mais après, faut savoir leur parler. Toi, t'as l'air d'être un mec énervé, du coup, même moi, j'ai envie de te mettre une balle, tu vois. Non, c'est pas que je suis énervé, c'est juste que j'ai des problèmes au niveau de ma voix et on a toujours l'impression que je parle fort, alors que dans ma tête, c'est ce que je parle dessus. Mais tu peux baisser d'un ton, tu sais? Oui, je sais, mais sinon ça fait vraiment bizarre. Non, mais tu peux vraiment baisser d'un ton, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Merde, pardon. Okay. T'as vu, t'as cru que j'allais m'enfuir, mais je me suis pas enfui, je suis vraiment quelqu'un de bien. Je vais te niquer. Ça va, Kennedy? Ouais, ça va. Ok. C'est pas une policière, elle? Si. Et toi? Pourquoi t'es en pyjama? Mais elle est pas en pyjama. Bah, si un jour j'ai besoin, bah du coup tu viendras me... En plus, c'est super confort. Okay. Tu devrais essayer. Ouais, change ton style, hein. Peace, Kennedy, peace. Ouais, peace. Toi, change de personnalité. Voilà. Ok, merci pour le conseil. En tout cas, à la prochaine. Ouais, et du coup, t'arrives toujours pas à baisser ton cul. Attends, c'est qui là? J'arrive pas à reconnaître, c'est tous des. Eh, il est super okay, méchant. Il a la même pari que toi. On va faire du café au poste du commissariat, toi. Ouais, d'accord. Vas-y, monsieur, vous appelez comment déjà? Aminze, bio. Dis-moi, Blaze. Venez. On va faire du café. Ok. Il va se passer un truc, je le sens pas là. C'est lui qui t'a mis la facture? Ah, c'est lui. Avec le médecin, tu m'as fait payer 2500$ avec l'autre médecin. C'est possible de mettre 2500 ou pas, William? Écoute-moi bien. Je t'ai pas mis d'amende. Je lui ai pas mis 2500 de facture déjà. Je me suis même pas occupé de toi. Maintenant, avant d'ouvrir ta putain de grande gueule, tu veux que je te renseigne sur la personne qui t'a fait ça? Tu m'as compris? Merci beaucoup. Ouais, j'ai rien compris. Tu peux articuler? C'est qui t'a facturé?
C'est, en fait, c'est un médecin avec des cheveux. Ouais, des cheveux dreads. Un peu longs. Ouais, des dreads. Des dreads, ouais, c'est l'autre. Et ouais, c'est l'autre avec des dreads. Comment il s'appelle l'autre? Oh, elle parle bien, on s'arrête de monter d'un ton aussi. C'est qui Jake. Tu peux l'appeler? Et avec le chef des médecins, il était avec le chef des médecins. Jake, à moi, tu viens à l'accueil, s'il te plaît. C'est qui le chef? C'est Daniel maintenant? Ouais, je vais le médecin. Mais Daniel, d'accord. Il met des 2500 comme ça, genre. Bah écoute, il est en pleine opération actuellement, il peut pas venir. Ouais, il essaye d'esquiver. Rendez-moi mes sous. On va t'installer là-bas, ils viendront vers toi. D'accord, attends, vas-y, viens. J'en ai marre de me faire victimiser ici. Ah, Bob, bien quoi. Qu'est-ce qu'il y a? On va y aller en soupçon. Attends, Sarah. Bah oui. Sarah, bien et toi? Ouais, mon pote. J'avais oublié mon sac là-bas, viens. Oh, Vera, ça va, Vera? Vera. Vous trompez de personne, monsieur. C'est Sarah, hein, monsieur. Oui. Attends, comment il s'appelle? Amine. Amine the bio. Merci. C'est dans quelle salle de moto? Ah, c'était là. Juste ici, là. Ah oui. Attendez. Cette oh, il lui met un point dans le cul, je parie. C'est bizarre encore, ce médecin qui met des points dans le cul. Oh, Daniel, je peux venir te poser une question? Attendez, je suis plein d'opérations. Mais du coup, venez, j'ai pris votre sac, voilà. Ouais, l'opération de billets. On attend rien. Merci. Ouais, bande de voleurs. Ils vont me rendre mon argent, je te le dis. T'as payé au moins? Ça se passe bien? En fait, ils m'ont fait deux factures. Ils m'en ont fait une de 800, je crois, et une de 600. Attends, mais tu me trolles depuis. Amine, non, tu me prends. Jure. Mais ça, c'est normal, du coup. Mais pourquoi? Tu m'as dit. Il m'en fait trois factures de 2500, tu me disais tout à l'heure, un bail comme ça? Non, ça, c'est l'hôpital, quand je suis arrivé à l'hôpital et que. Ça, c'est l'hôpital qui m'a pris 2500 quand je suis arrivé et que, en gros, bah, on m'a laissé mourir sous l'océan. Bah, en fait, ils ont réussi à me réanimer à l'hôpital et du coup, les frais automatiques de l'hôpital sont de 2500$. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais eux, vraiment, réellement, ils m'ont pris 600 et 800$. Et ils m'ont dit que c'est le déplacement qui coûte aussi cher. Ouais, ouais, je vois. Bah, est-ce pas que si c'est normal ça. Qu'ils me prennent 1300$? Ben, en vrai, moi, je t'avoue que je paye presque pas, quoi. Voilà, on est d'accord, c'est bizarre. J'aimerais récupérer mes sous, s'il vous plaît. Après, tu si, peux leur faire si du je récupère charme, mes ça sous, marche bien. Bah, tu sais ce que je fais si je récupère mes sous, je te donne la moitié. Non, tranquille, j'ai pas besoin. T'as combien sur toi, là? J'ai 600. Mais t'es pauvre, en fait. Non mais en espèces quoi, t'as cru que je me trimballais avec une mallette de billets sur moi? Attends, regardez, vous avez vu comment il le porte? C'est pas un médecin normal ça. Ça c'est pas un médecin normal. C'est que Daniel, des fois il met un maquillage joker. Ouais. Mais tu sais qu'hier, le médecin là, Daniel c'est le médecin en chef. Mm-hmm. Hier il m'a mis un poing dans le cul. Non, et non, t'as aimé vraiment, ou pas? Il m'a dit enlève ton pantalon et il m'a dit monte ton cul. Et t'as après il m'a mis un poing dans aimé le cul. Ou pas? C'est quoi cette question? Bah, je sais pas, moi, je regarde sur internet, apparemment c'est l'endroit où les hommes aiment. Donc, je me pose la question, puis que je suis. Non, majeur. Non. Non, t'as pas aimé? T'es pas majeur? Depuis que je suis majeur, je me pose la question. Non. Non, j'ai pas trop aimé, je crois. Mais en tout cas, faut pas parler de ça. Viens, on parle pas de ça. Mais en tout cas, il m'a mis un poing dans le cul. Viens, on change de sujet. Arrête de poser des questions comme ça, s'il te plaît. Je t'ai mis mal à l'aise, là, je reconnais. Non, là, c'est assez bizarre ce qu'on dit là. Oui, 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 monsieur. Doucement, vous êtes pas tout seul, s'il vous plaît. Pardon, monsieur. D'accord, monsieur le médecin, poing dans le cul. Maintenant, on va parler. Écoute-moi bien. Mm-hmm. Tu m'as fait une facturation de 600$ et de 800$. Mm-hmm. J'aimerais récupérer mes sous maintenant, médecin, poing dans le cul. D'accord. Pour attendre ici. Dépêche-toi avant que je m'énerve. Amine, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Plus tu vas être méchant, plus les gens vont te faire payer. D'accord, excusez-moi, monsieur. Vous êtes vraiment gentil, monsieur le médecin. Est-ce que vous pourriez me rendre l'argent que vous m'avez pris en trop? Attendez, j'appelle juste quelqu'un. Je reviens pour. J'ai l'impression qu'ils vont me mettre un guet-apens encore que je me fais mêler par tout le monde ici. J'en ai marre. Bah, en fait, je te cache pas que ça m'étonne pas. Mais pourquoi? J'ai fait quoi de mal? Explique-moi. Mais t'as vu comment tu parles aux gens? Mais je suis énervé, c'est normal. Ouais, mais moi, tu vois, des fois, je suis énervé. Genre, par exemple, toi, j'étais énervé. Mais j'ai essayé quand même de te parler pour régler la situation. Et là, je me retrouve à régler tes problèmes, tu vois. Ça s'arrange quand on parle bien. D'accord, mais c'est comme... Toi, quand tu parles, t'es en mode monsieur point dans le cul. Quoi? Bah, c'est non... C'est bizarre, en fait. Tu rentres dedans, j'ai pas ton temps et tout. C'est pas possible. Mais regarde,
Par exemple, toi, tu m'as mis un coup de crosse, c'est normal que je sois énervé. Excusez-moi. Oui, mais je t'ai dit que... Enfin, bref, excusez-moi, est-ce que vous pourriez atteindre dans la salle juste à côté, parce que là, c'est des salles de soins. Ok, vas-y avec tes... Là où il y a les canapés, là, à côté. Okay, merci beaucoup. Mais je peux pas la taper, là, elle est trop gentille. Je le connaissais pas, lui, il a une femme ça. Mais pourquoi il parle doucement comme ça? Je crois que c'est un apprenti. C'est l'opposé de toi, wesh. Comment ça, l'opposé de moi? Bah toi, tu gueules et t'as une voix grave, et lui, c'est... Bah... Mais c'est pas de ma faute, je suis né comme ça, avec une voix. Oula. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Pourquoi vous êtes quatre médecins comme ça, autour de moi? Bon, monsieur, vous avez besoin de la sortie. Comment, messieurs? Vous prenez la sortie, monsieur. Messieurs, j'ai besoin de vous me rendre... Mais non. mon argent. Je vous rends rien non. du tout, monsieur. Juste, c'est... Vous prenez la sortie, monsieur, s'il vous plaît. Ok, je vois le genre, les médecins. Okay. C'est 900 pour une facturation, genre, c'est normal ou pas? Juste, Daniel, je vais me demander. De quoi? $900, une facturation EMS, c'est normal ou pas? $900? Ouais. Ça dépend, parce qu'en fait, s'il a enlevé tout ça, il peut payer la facture plus tard. Hein. Parce qu'en fait, je me suis déjà occupé de ce monsieur. Oui, okay. Ça fait deux fois qu'il vient à l'hôpital, donc c'est normal à un moment que la facture oui, soit salée. Il hein. y a eu une intervention en hélicoptère dans le nord, il y a le déplacement. Ah oui, hélico. Il faut compter les frais aussi. Hein. Ok. Non, mais je voulais juste savoir, c'était normal. Il y a eu le saut de l'hélicoptère. Ok, bon, bah. Ouais, non, mais ça, il faut pas compter, c'est pas grand chose. Ça faut pas compter. Le saut de l'hélicoptère. Ils sont en train de se foutre de ta gueule, ne les écoute pas. Par contre, tu me parles de mon coup de crosse, mais toi, tu fais un saut d'hélicoptère. Hein, je dis ça. Ils m'ont dit de sauter de l'hélico, les médecins. Non, j'ai pas dit ça. Si, t'as dit ça. Oh merde. Bon, merci beaucoup, Daniel. Est-ce que je peux te poser une question? Dis-moi. Est-ce que je peux aller mettre une droite? Arrête, non. Tu vois, c'est ça ton problème à toi. T'es pas civilisé, c'est ça le truc en fait. On dirait un singe dans la ville, là. C'est quoi, déjà? Un singe dans la ville? Ouais, y'a pas un film comme ça? Oui. Allez, raciste. Tu connais pas? Attends, ah, la moto, elle est là-bas. C'est quoi, c'est un singe dans la ville? J'ai dit un singe. C'est un endur, je suis ravagée. C'est quoi, c'est un singe dans la ville? Un indien dans la ville, tu connais ou pas? Un indien? Ouais, ça... C'est un remake. Allez, avec go, toi. Vas-y, go. C'est un singe dans la ville. Oui, allez, c'est ça. Allez, on y va. Allez, go. Putain. Oh, merde. Toi, t'es en bon terme ou pas avec Snow? Avec qui? Snow, les violets. Bah en fait j'aimerais bien parler avec eux par rapport Allô à Bachir déjà. Je vais chercher ma voiture là. Snow la récupère et du coup j'y vais. Un singe dans la vie. La Yux, Zah, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Bah je vais le rejoindre là. Là je suis avec Béamine. C'est celui que t'as tabassé tout à l'heure. Bon, oh. Vas-y, un peu. C'est qui? C'est Harper. Ouais. Non mais Harper il m'aime pas, il va me taper encore. Non mais c'est une fille. Oh non pas elle m'a coursé, elle est un peu bébête par contre. Hein. Comment ça? Elle m'a coursé en moto autour d'un immeuble et elle a pas réussi à me trouver. C'est parce qu'elle sait pas trop bien conduire. Ah bah. Non elle est pas bébête ça. En vrai elle est gentille Harper. Hein. Si elle s'affronte toi c'est bizarre parce qu'elle se bat avec personne normalement. Elle a pas voulu me laisser faire un tour de moto. Ah. Mais attends, on va dans la campagne, hein.